Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Durant
comment c'était. On veut toujours faire mieux, on veut toujours faire mieux. Moi, je sais que voilà, je traverse une saison compliquée. Ça s'est senti durant ma Coupe d'Afrique des Nations. Mais j'ai pas baissé les bras et je baisserai jamais les bras. Cédric Kob, tambour international congolais, il a pris part à la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Il est arrivé en Espagne où il va jouer, je le disais, au sein du Real Betis. Bakambu a eu également le don pour remercier son ancien club Galatasaray de la Turquie sur ses pages. Réseaux sociaux, l'attaquant congolais a écrit, je cite, merci Galatasaray, aux fans, au staff, à mes coéquipiers. Vous m'avez toujours bien traité, vous m'avez montré de l'amour. Bien sûr, je voulais faire plus, jouer plus, te rendre fier. Je me souviendrai avec tendresse de mon séjour à Galatasaray. Je vous souhaite beaucoup de succès. Que Dieu vous bénisse. Et pour l'instant, son nouveau club, le Real Betis, est 6e au classement avec 38 points, soit à 21 point du Real Madrid qui est en tête. De son côté, Yannick Bolasie va donc découvrir un autre continent. Il quitte l'Europe pour l'Amérique, libre de tout contrat depuis la fin prématurée de son aventure avec Swansea. L'attaquant congolais va donc s'envoler pour l'Amérique latine. Information rapportée par le journaliste Fabrizio Romano qui a donc révélé que l'ancien joueur d'Everton a conclu un pré-contrat avec le club brésilien de Criciúma. Le spécialiste du marché des transferts affirme également que l'accord est placé et que seuls les derniers détails sont en vérification. Sauf changement de dernière minute, Yannick Bolasie va donc se rendre au Brésil la semaine prochaine. Après un bref passage en championship, l'ancien Léopard va donc découvrir un tout autre championnat. Bolasie passé par l'Angleterre, la Belgique, le Portugal, la Turquie et là, ça sera donc le Brésil. Nous allons parler autre chose dans ce journal des sports. La République démocratique du Congo devra afficher un visage séduisant aux prochains Jeux africains prévus au Ghana. Ce sera du 8 au 23 mars prochain. Pour ce faire, le comité olympique congolais a donc rencontré le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Monakaboulou, dans son cabinet de travail pour échanger sur les modalités qui permettront aux Léopards de faire bonne figure dans ces Jeux continentaux. Et dans une posture pédagogique, les deux parties ont passé au bénéfice tous les points concernant la participation des Léopards dans ces Jeux africains qui démarrent au mois de mars. Ici, nous allons écouter Alain Badiachili, le secrétaire général du COC. Nous voulons, ensemble avec le ministère des Sports, qu'on puisse assurer une participation de qualité à nos athlètes à ces Jeux. Et égal aux contraintes budgétaires, il était de bonne loi justement qu'on se retrouve avec son Excellence, Monsieur le Ministre, pour échanger autour de la taille de la délégation afin de sélectionner les athlètes qui sont performants sur le plan national et sur le plan international. Essayer de voir côté préparatif quelles sont les priorités que nous devons mettre en avant-plan pour optimiser les performances et la technique de nos athlètes. Nous avons évidemment pensé à nos installations qui ont été construites dernièrement au niveau du stade de Martyr. Donc nous allons très rapidement voir avec son Excellence dans les heures qui viennent interner nos athlètes pour développer cet esprit d'équipe. Nous nous sommes tombés d'accord sur un certain nombre d'éléments, un certain nombre de paramètres. Nous allons entrer au comité olympique pour faire le toilettage et très rapidement, donc dans les 24 heures qui suivent, nous retrouver avec le ministre pour le rapport final. La délégation du COC, il faut rappeler, des conduites par Monson Bayo, Kitenge. Mais comment se fera la préparation des athlètes? Nous allons ici écouter encore Alain Badiachili qui indique que l'option de convoquer les binationaux pour faire jonction avec les locaux n'est pas donc exclue. Le COC y travaille. Nous comptons sur les deux aspects. Nous avons impliqué les binationaux, ça c'est clair. Et au niveau du comité olympique congolais, vous devez savoir qu'on a initié depuis un certain temps
un processus pour l'optimisation des performances techniques de nos athlètes en organisant des séminaires avec les directions techniques des différentes équipes nationales, y compris les dirigeants, les présidents et secrétaires généraux à qui on donne le contenu de la matière qu'on donne à leurs différentes équipes techniques. Chacun essaie de jouer sa partition. Nous, avec l'appui de notre direction technique financée par le Comité international olympique, nous faisons ce travail de maximisation des performances techniques de nos athlètes. Et puis, sur place, nous comptons sur faire venir les binationaux pour rejoindre les locaux. Donc c'est comme ça que le Comité olympique congolais compte accompagner ses sociétaires. Et au finish, pour réaliser des résultats qui puissent satisfaire tout le monde. Alain Badiachile, il est secrétaire général du Comité olympique congolais. Je rappelle que la 13e édition des Jeux africains se tiendra du 8 au 23 mars au Ghana, après bien sûr le Maroc. La dernière édition, c'était en 2019. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis. Fin de ces 10 minutes d'actualité sportive. Merci à Alain Pascal Mbungu qui était à la mise en onde sonore. Je suis Gino Vikumbo Mbaya. Merci à vous de rester avec nous. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.